Et bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Clover Mobile version Jap. Comme vous savez, nous n'avons toujours pas de date officielle concernant la sortie de la Glow, à part le 31 juillet qui est affiché sur l'App Store. Concernant cette vidéo, elle va parler du sujet PVP concernant la saison 2. Et oui, j'ai travaillé sur une team PVP qui me donne un win rate énormissime. De toute façon, vous allez voir ça en vidéo. Je vais vous expliquer un peu ma team, comment elle fonctionne, comment elle est optimisée. On parle de la team axée offensive. Concernant la team défensive, nous sommes en train de travailler sur une team méta. C'est très compliqué parce que ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Il y a beaucoup de choses à mettre en place. Donc, n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater des vidéos qui sortent sur la chaîne YouTube. Ça ferait extrêmement plaisir et un pouce bleu. En plus, ça fera encore plus plaisir. N'oubliez pas aussi de nous rejoindre dans les liens qui seront dans la description sur les réseaux BCM, Fansite, FR. Il y a énormément de monde sur le Discord. Si vous avez des questions, des besoins d'aide, il y a des guides sur le site web aussi que nous avons mis en place. Donc vous avez toutes les possibilités d'avoir toutes les fiches personnages sur une version de design PC, mobile et tablette. Comme ça, vous pourrez, si vous avez besoin d'informations sur les compétences de chaque personnage, vous pouvez les trouver sur le site web qui sera mis dans la description. Vous avez une section guide qui vous explique tout ce que vous avez à savoir, comment pour bien commencer Black Clover Mobile quand la globale arrivera. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, vous avez beaucoup de choses dessus, profitez-en, vous avez toutes les données qui sont déjà mises en place. Voilà, un gros travail en amont, merci à toute l'équipe et au staff, que ce soit pour les rédacteurs d'Azuli, pour Amarok, Webmaster et moi-même qui travaillons sur le site à plein temps. Merci à Sfax pour la section équipement aussi. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir du soutien avec l'équipe avec laquelle on travaille pour vous mettre en avant tout ce que vous avez besoin de savoir concernant Black Clover Mobile pour la version globale. Concernant maintenant le PVP. Alors concernant le PVP, la team que je vais vous présenter concerne uniquement la saison 2. Sur la saison 1, je n'en ai pas fait parce que j'avais pas tiré sur la bannière. Saison 1, je suis parti sur la bannière de Yami, mais voilà, après c'est pareil pour la Glow, on partira sur la bannière de la saison 1, il y a des teams PVP qui sont ultra bien, que ça soit Yami Bleu, Asta, Lotus, Ryl, ou ça dépend ce que vous avez, un Mars éventuellement en tankiness, tout dépend ce que vous avez à jouer. Nous on va parler plus de la team PVP sur la saison 2, parce que depuis qu'on a eu l'arrivée de la saison 2, toute la méta a tourné, on a eu Noël gauche, et Yuno en version maillot de bain. On a fait des tests sur tous les personnages et il s'avère que Noël est ultra puissante. En mode offensive, il n'y a rien à dire. C'est la top tier actuelle de la saison 2. Il n'y a personne qui lui arrive à la cheville niveau dégâts. Alors, c'est parti. On va check ça ensemble concernant la team PVP que je vais vous présenter. Déjà, on va faire un peu petit tour du tableau pour montrer un peu à toutes les chaînes win qui se sont enchaînées. Hein. Vous voyez, je perds presque pas là, donc là, pas du tout de défaite. Là, il y a une défaite. Je sais même pas pourquoi. Je crois que j'avais fait une erreur de focus dessus. Voilà, donc ça, une défaite déjà. Hop, on descend. Là, on va arriver quand même sur quelques défaites qui n'étaient pas dans la team actuelle. Voilà, on s'enchaîne, s'enchaîne. Et c'est à partir de là que j'ai changé ma team. Donc là, hier, on a fait des tests sur quelqu'un qui était en mode, qui avait 198 000 de puissance. Je vous cache pas que c'est un gros joueur, c'est une whale qui met pas mal d'argent dans le jeu. Nous, on est axé free to play sur le compte Jap. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a possibilité de grind les étapes, de monter les étapes avec une équipe free to play. D'accord ? Donc là, on avait fait des tests. Vous voyez, je l'ai affronté trois fois de suite pour changer, faire les rotations de la team que je vais vous présenter. Ça m'a permis de vraiment optimiser ma team et de pouvoir monter, comme vous avez pu voir, toutes les victoires au-dessus qui se sont enchaînées, à part une, qui se sont enchaînées derrière. Voilà, donc si on descend un peu plus bas concernant la team que j'avais avant, vous voyez, j'avais pas de régularité de win rate quand même. J'avais quand même pas mal de plus de wins que de défaites. On a fait une estimation il y a quelques jours. Je suis à peu près à 89% de win rate actuellement, voire même un peu plus depuis que la team a été changée. Je pense qu'on n'est pas loin des 92% de win rate. Après, il y a des teams à éviter, d'accord? Il y a des teams que je vais vous présenter qu'il ne faudra pas attaquer. Let's go! Alors, concernant déjà mon classement, je suis Challenger 2. J'ai, comme vous voyez, 3748 points. Maintenant, pour se classer et passer de Challenger 1, il faut être dans les 500 premiers. Je ne vous cache pas qu'il faut poncer et refile. Le classement actuel, nous voyons que le premier, hier, il était à 5000 et quelques. Donc, il a vraiment, vraiment, vraiment j'aime. Et là, il est à 6200. Il faut être dans les 500 premiers pour passer Challenger 1. C'est parti! Je vais vous montrer un peu les tests que
que j'ai pu réaliser les teams à éviter. La team avec Valtos, évitez-la. Pourquoi ? Parce que Valtos est ultra chiant en PvP, surtout en défense, il va vous faire chier. C'est-à-dire que vraiment, il va vous mettre des nerfs de malade mental. Vous allez dire, ah mais j'ai pas le temps de jouer, ça va vous enchaîner, vous allez prendre des réductions de speed, vous allez prendre énormément de dégressifs, et vous allez dire, merde, mais en fin de compte, j'arrive pas à taper, parce que lui, il m'aura tapé avant. Donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va pas jouer, vraiment esquiver toutes les teams avec un Valtos, surtout quand il est 5 étoiles, esquivez-la. D'accord ? Si vous avez la possibilité de jouer contre un Valtos, une étoile, vous pouvez le faire. Ce que je vais vous montrer là, on va les défier quand même avant Volcan, qui a Valtos sur son compte, sur la team défensive sur laquelle on est en train de travailler. D'accord ? Elle n'est pas finalisée. C'est vrai qu'on essaye de construire une team vraiment méta au niveau défensif, mais c'est très dur. Sachant que Volcan est beaucoup plus haut que moi au niveau classement. Concernant Alignon, c'est pareil. Donc la semaine prochaine, on a dit on faut qu'à PVP et on va essayer de rusher dans le top 500 pour se classer Challenger 1 avant la fin de la semaine. N'oubliez pas que c'est pour la version Jap. Donc là, les persos qui sont potentiellement arrivés, est-ce que ça sera les mêmes sur la Glo? J'en ai aucune idée. Je peux pas vous affirmer que ce sera les mêmes persos. Donc la vidéo sera réactualisée. Si les persos changent entre la S1 et la S2, je pense pas qu'ils changeront, mais je préfère vous prévenir. Concernant donc les défis. Donc on va aller dans la guild, on va aller défier Volcan. Alors j'espère qu'il a pas encore remodifié sa team, bien sûr, hein, parce que sinon ça va être embêtant. Donc là, on va aller là et on va aller en duel. Donc là, bon là, c'est sa team attaque. Et là, on va passer sur sa team défensive. Pareil pour défier les gens, voilà, donc il a Valtos. Volcan travaille vraiment sur la team, sachant que moi j'ai réussi à le battre une fois, vraiment c'était vraiment basé sur de la RNG, mais je pense qu'il y a possibilité de contrer Valtos, voilà, il y a ça qui fait aussi la différence, n'oubliez pas de monter vos talents, n'oubliez pas de build stuff correctement, de comprendre les compétences, les rotations de jeu, comment vont se passer. La team que moi j'ai actuellement, on a Yami Rouge, d'accord, Yami Rouge qui dépend d'une bannière individuelle de starter de la S1, on a Noël S2, donc qui arrivera sur la saison 2 concernant les bannières, qui est le top perso actuel de la S2. Concernant le top perso de la S1, nous avons estimé que Lotus est indispensable pour vraiment grind les étapes, que ce soit PVP ou PVE. Il est vraiment, vraiment indispensable. Donc si vous devez partir sur des personnages, n'hésitez pas à aller voir le guide. Vous avez tous les guides sur le site web. Let's go. Alors, comment ça se joue? Finral, boost vitesse. D'accord, il va boost la vitesse, il va donner des bonus d'ATK. Alors, comme je disais, il faut vraiment connaître les compétences de vos personnages. Pourquoi? Parce que si vous jouez des personnages et que vous ne savez pas ce qu'ils font, vous allez dire « Ah merde, pourquoi lui, il est mieux que lui, il est mieux que lui ?» Ça, c'est dans tout théorie craft PVP, théorie craft équipement, théorie craft ce que vous voulez, il faut connaître sur le bout des doigts les compétences de vos personnages. J'insiste énormément là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent me dire « Ouais, pourquoi Noël, elle est aussi puissante ?» Voilà, je vais vous montrer. Noël S2 sur le site web blackclover-mobile.fr. Voilà, vous avez la fiche du personnage, vous avez des profils, vous avez un petit profil qui explique qu'est-ce que Noël, nanani, le chevalier mage de la compagnie de Taureau Noir, tout ça, nanani, rareté SSR. Je vous laisse le temps d'aller lire les fiches. Voilà, donc vous avez les fiches, les compétences statistiques sont sur le level 100, on voit qu'elle est basée sur de la magic attack. Vraiment, prenez le temps de lire les fiches. Pourquoi? Parce que si vous prenez pas le temps, il y a des compétences que vous allez pas comprendre et vous allez dire « Merde, pourquoi? Bah là, ça fonctionne pas. Ça passe comme ça. » Si vous voulez vraiment pousser votre team PVP vers le Challenger 1, vous n'avez pas le choix de connaître vraiment les compétences au bout des doigts et les compétences des ennemis. C'est-à-dire que sur le site, vous avez des rubriques avec tous les personnages. D'accord? Vous avez tous les personnages, que ce soit SSR, SCR, R, ils sont tous sur le site. C'est-à-dire que là, même là, il y a des personnages quand la glow va arriver que vous n'aurez pas, vous aurez la fiche à l'avance sur le site. D'accord? Concernant les compétences, on a la bénédiction de l'eau qui est une des compétences qui est vraiment super sur Noël, ce qui crée une barrière qui confère une immunité à montant fixe de dégâts de contre-attaque lorsque vous êtes attaqué. Si votre ennemi ne parvient pas à retirer votre barrière lors de sa première attaque, vous pouvez effectuer une contre-attaque. D'accord? Ça, c'est le must. D'accord? Ça existe que sur elle. Pour l'instant, sur le starter de la S2, il n'y a pas un autre personnage qui l'a. C'est-à-dire que quand vous jouez avec Yami Rouge, par exemple, moi j'ai mon Yami Rouge, qui envoie un gros sort offensif d'AE, je ne vous cache pas que quand vous lui mettez la bénédiction de l'eau,
et qui se fait attaquer par une team qui a à peu près multi-cible en face, quand le rebond y part, ça fait extrêmement mal. Donc la team prend des dégâts monstrueux. Voilà, concernant donc la bénédiction de l'eau, qui est vraiment une des compétences les plus cheatées, son ulti fait extrêmement mal. C'est le plus gros truc de damage que j'ai pu voir depuis le début du jeu. Je vais vous expliquer un peu. Donc voilà, donc là, concernant vraiment ce qui est important chez Noël, c'est la bénédiction de l'eau et son attaque spéciale qui fait extrêmement mal. Surtout qu'à vos confrères des ATK Magic augmenté level 2 pendant 2 tours, je vous cache pas que compétence ATK Magic augmenté level 2 à vous-même puis attaque. C'est-à-dire qu'au début, les gens avaient une rotation de jeu et claquaient son ulti pour augmenter la Magic Attack. Le problème, c'est qu'il s'avère que le mieux, c'est de mettre le shield, donc la barrière que je vous ai montré, sur un personnage potentiel qui fait extrêmement de dégâts, soit Noël, soit Yami. Concernant Lotus, il faut bien se dire des choses, c'est aller voir les fiches personnages, prenez le temps de le faire si vous voulez vraiment, vraiment pousser. Donc Lotus, qu'est-ce qu'il fait? Lotus, quand il claque son ulti, augmente les dégâts subis de 50%, enfin je change ça, retire toutes les poignées, supprime tous les effets positifs de la cible, c'est-à-dire que si lui il est à plus sur un build vitesse, bah, qui se met des buffs, bah, ça va tout supprimer, et il fait une réduction de speed level 3 qui réduit la vitesse de 55%. Pourquoi je joue Lotus? C'est vraiment par rapport à la réduction de speed et la réduction des buffs. Voilà, parce que si le mec en bas joue, en face joue un Finral et que Lotus joue derrière, boum, vous allez enlever le speed qui s'est mis et ça va faire chier son monde. Donc obligatoirement, moins la personne a de vitesse en face, plus vous allez taper vite vous. Plus vous allez taper vite, lui va passer derrière. Le rebond de barrière va taper à de Noël, ce qui va causer des dégâts monstrueux à toute la team en face. Surtout, en plus que moi, je joue Finral et on a cherché, hein, j'ai vraiment cherché pendant des jours et des jours à optimiser la team pour la S2. À savoir que Finral, si on prend vraiment sa compétence ultime, hein, c'est pareil, on va vraiment, il fait un speed accru level 3, ce qui augmente votre vitesse de 55%. Ce qui supprime aussi une dissipation de l'effet, qui supprime un effet de statut négatif. Donc voilà, c'est-à-dire si même lui il vous met un effet négatif, vous allez le supprimer potentiellement. Et il fait une augmentation du taux critique level 3, ce qui fait que quand la barrière que moi je vais mettre avec Noël sur Yami ou sur Noël, en plus on aura une augmentation de critique, ce qui va faire proc le crit à hauteur de 22% supplémentaire, ce qui va mettre des dégâts monstrueux à la team en face. Voilà comment l'orientation de ma team fonctionne, sachant que Yami, c'est un gros DPS. Moi, j'utilise rarement son ulti, j'utilise vraiment que son A, son skill 1, qui met des dégâts monstrueux. N'hésitez pas, on peut aller le check tout de suite aussi pour montrer un peu ce qu'il en est concernant les dégâts que Yami fait. Yami rouge, moi, j'irai le chercher quand même parce que je kiffe le personnage. Voilà. C'est mon bébé, et voilà. Donc on peut voir qu'il a 11594 d'ATK quand il arrive au level 100, sans équipement bien sûr. Donc il fait énormément, et sa compétence que j'utilise le plus, c'est son slash continu, qui effectue une barrière oblique sombre en continu, dommage dans tous les ennemis. Et en plus, il applique saignement, c'est-à-dire dès que la personne va commencer son tour, boum, elle va prendre des dégâts de saignement. En plus de ça, à tous les ennemis lors d'une frappe d'une attaque, crit réussi, infligeant des dégâts continu pendant 2 tours. En plus, comme on a l'augmentation de crit de Finral qui se cumule avec donc les saignements, ça veut dire que obligatoirement Yami, quand il va crit, il va poser les saignements à tout le monde. Donc prend des dommages égaux à 5% de HP maximum au début du tour, en pile cumulable jusqu'à une fois. Voilà, je joue vraiment sur ça. Après, il y a des teams où je vais vraiment, par exemple, je sais qu'il y a une Noël en face, bah je vais aller chercher ma compétence spéciale pour la one shot, ou si je la one shot pas, l'étourdir éventuellement. Il y a beaucoup de choses à étudier. La team est très simple à jouer. Après, il faut vraiment connaître les rotations de jeu. C'est parti, on va défier Volcan. On va jouer contre un Valto. Je vais vous montrer vraiment que Valto peut être très très chiant. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il s'est mis speed. Ok, augmentation de speed de level 2, barrière, Lotus qui réduit mon speed attaque, d'accord. Là, il se met la barrière shield sur toute sa team, et là, on prend les dommages. Donc déjà, vous avez vu, j'ai pas pu jouer une fois. D'accord? Il a joué, ces 4 personnages ont joué. Déjà qu'il est beaucoup plus tough que moi. Donc là, je suis bloqué, je peux même pas ulti, donc accélérer la vitesse. Et là, on passe directement sur notre Yami. On va mettre ça, on va prendre le rebond de la Noël qui fait extrêmement mal. Et là, je peux pas claquer, comme vous voyez. Donc, mon shield. C'est vraiment très chiant comme personnage en face. Valtos vous fait extrêmement chier. D'accord? On est sous le mode Taunt de Mars, donc on a des compétences bloquées. C'est vraiment très chiant. C'est vraiment, vraiment, vraiment très chiant. Là, si j'attaque avec mon ulti, obligatoirement, je vais me faire défoncer par la Noël. D'accord? Valtos, ignorez-le avec la team que je vous propose. Faites en sorte... Et là, il est même pas monté sur Valtos. Donc, faites en sorte de cut les Valtos. Vous les attaquez pas, parce que c'est ce qui va vous mettre dedans. Surtout sur des teams défensives.
D'accord ? Ouais, là, je perds déjà la totalité de mes personnages. C'était pour vous montrer que la team qu'on a, sur laquelle on est en train de travailler sur l'aspect défensif est très chiante avec Valtos. Valtos, c'est méta défensive. Voilà. Donc, je me suis fait éclater ouvertement par sa team. Sachant que là, il l'a amélioré. Il l'améliore au fur et à mesure du temps. Ignorez les teams Valtos avec la team que je vous propose. C'est vraiment pour vous donner un ordre d'exemple. D'accord ? Valtos, faut l'ignorer en PvP. Si vous voyez un Valtos défensif, n'attaquez pas. Surtout pas, parce que vous allez vous faire démonter. Donc c'est méta PVP saison 1, voire saison 2. Sachant que là, il y a Noël quand même qui est là. Voilà, donc Valtos a monté vraiment sur la S1. N'oubliez pas de le monter, surtout quand vous l'obtenez. Ok, c'est parti, on va faire des tests PVP. Donc on va montrer un peu la puissance de la team. À savoir que la team, vraiment, tout dépendra aussi de votre stuff que vous avez. Donc vraiment faites en sorte d'avoir du bon stuff LR. Allez pas, alors au début vous aurez pas de stuff LR, hein. Vraiment favorisez les stats, que ce soit Magic Attack ou ATK, n'allez pas jouer sur les bonus de set dès le départ, ça va vous apporter rien de plus. Voilà, donc là on va shield avec Noël notre Yami, et là quand on va aller taper, il y a le contre drop bomb. Donc là il va prendre pam, vous allez voir que les dégâts là qu'on va prendre derrière, ils vont faire monstrueusement mal. Donc là il focus Manuel, il a pas cassé le shield, d'accord, donc ça tient. Voilà, et là regardez les dégâts, pam, allez critical. Tac, saignement. Là, il réa, donc ça, ok. Donc là, il va reprendre un rebond. Allez, voilà. Voilà la team sur laquelle, bon, voilà. C'est moi, c'est ma team. Je vous la présente officiellement pour la S2. Donc vraiment, elle fait très, très mal. Après, voilà. Bon, voilà, on va voir le one shot de Noël sur la fin. Final game. Let's go. Voilà, concernant la team, vraiment, prenez le temps. Alors, je vais montrer un peu plus lentement. Pour vous voyez un peu les spells que j'utilise. Donc là, on a un Reel qui va nous stun. À savoir qu'il faut définir tous les personnages avant de commencer. Yami bleu, focus. Réellement de gros dégâts, mono cible. Mimosa, revive, healing. Reel, stun, réduction de def. Vermilion, il fait des dégâts de feu, du burn. Donc ça, c'est sûr. Let's go, on va tester contre cette team. Et je vais vous montrer ma rotation de jeu. Parce que c'est vrai qu'il y a des gens, si vous comprenez pas la rotation de jeu que je vais faire, c'est un peu compliqué. Et après, on arrêtera ici. On va mettre en x1, donc... L'opti, c'est de Finral pose son speed, d'accord ? Donc là, on va mettre son ulti direct, Finral, qui est basé sur du équipement vitesse, pour qu'il puisse déjà être le premier à jouer. Et ensuite de ça, comme ça, il met le speed à tout le monde. C'est-à-dire que là, on a un level up de speed énormissime, d'accord ? Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de buff en face. Donc même s'il n'y a pas de buff, on va claquer l'ulti qui va quand même faire chier son monde, d'accord ? Vous allez voir... Voilà, donc là, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est mangé réduction de crit attaque, réduction de speed, incapaciteur sur toute la team, d'accord ? Là, on a un choix. Le choix de jouer l'ulti ou le choix de jouer le shield. Moi, je vous invite, vu que là, on est en priorité d'attaque et qu'eux, ils vont attaquer derrière, le mieux, c'est de jouer le shield. Pourquoi ? Parce que quand vous allez poser le shield, bah, ça va obligatoirement faire les rebonds derrière sur la personne qui va être target. C'est-à-dire que si c'est du multi-cible, bah, ça va taper. Si c'est du mono-cible, vous allez avoir une chance de probable que ça tombe sur le personnage que vous allez sélectionner. À savoir qu'il faut le mettre sur le personnage qui a le plus, d'accord ? Qui a bien le plus d'ATK ou de M attaque. Donc c'est Noël ou Yami concernant ma team. D'accord ? À savoir qu'aussi, il faut tenir compte des, comme je vous ai dit, des roues, d'éléments qui vous permettent de savoir sur quel... perso priorisé. Moi, là, je vais prioriser Yami parce que les éléments en face sont négatifs à mon élément de Yami, d'accord ? Donc là, vous voyez, il y a 3 grits. Donc là, on va faire extrêmement mal. Donc là, on claque le slash continue. Et là, vous allez voir que quand là, il va claquer tout, à part s'il me stun mon Yami, il l'a pas stun, vous allez voir les dégâts. Boum, boum, ça enchaîne. Le prochain, ça va faire pareil. Vermilion qui va ulti. Voilà, donc là, il va nous poser le burn et là, ça va repartir. Voilà, regardez, hop, Yami qui va renvoyer son slash continue. Et voilà. Team PVP. Ok, c'est ma team PVP. Si vous voulez la jouer, je vous la propose bien sûr. Là, il y a le revive qui est passé. Bien sûr, on ne pourra pas ulti avec Noël ni avec... Voilà, donc là, on va focus priorité le DPS parce qu'elle a déjà utilisé son revive, donc ça ne sert à rien de la utiliser. Même s'il y a Vaïl derrière, on va la tuer avec... avec Yami. Voilà. Donc là, concernant... Donc là, on la one shot, on utilise ulti. Voilà. Termine. On ne parle plus de la healing. C'est fini. Elle est morte. Elle ne reviendra plus. On va gagner ce match facilement. Ça monte les étages très rapidement. Après, il faut l'avoir Yami rouge dès le départ. C'est pareil. Yami rouge, si vous l'avez pas, vraiment, jouez avec un Yami bleu. Faites la même team approximativement. Vous pourrez éventuellement changer Yami rouge par un Yami bleu. Et si vous n'avez pas Noël sur la S2,
c'est un peu plus compliqué parce que Noël, c'est vraiment ce qui va vous apporter la rotation de la team sur le shield de dégâts qui continue. Donc voilà, c'est très important de définir tout ça vraiment. Prenez le temps d'analyser vos teams, analyser les teams adverses, comprendre les compétences de chaque personnage, c'est très important en PvP parce qu'il y a des personnages comme Valtos, comme je vous ai montré, il faut les ignorer, c'est très très chiant. Voilà, bon, je pense qu'on a fait le tour. En attendant, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche de notification, à laisser un pouce bleu. Merci à ceux qui le font. J'espère que cette vidéo vous plaira. En tout cas, moi, je le fais pour montrer un peu comment ça fonctionne, ma team. Sincèrement, c'est un pur plaisir de pouvoir vous présenter ma team sur la saison 2 actuellement de la JAP. Je ferai une vidéo en conséquence sur la version GLO quand on aura la rotation, la sortie officielle de la GLO. Je vous invite à patienter, à être patient surtout. Voilà, faut pas s'énerver. Le jeu va arriver à un moment ou l'autre. Vous inquiétez pas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés de pas pouvoir jouer parce qu'ils attendent énormément la glo. Il y a beaucoup de com à côté. Moi, dès que j'ai les informations sur le Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Discord. Vous avez toutes les informations des Actu News aussi en live stream le soir. D'accord? Je stream le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi soir de 20h. Jusqu'à à peu près 22h, je fais les news actu de la version JAP et KR. Et ensuite, quand la GLO arrivera, on passera sur la version GLO, faire les news actu à chaque fois que les bannières arriveront, les personnages, les invocations et tout ce qui s'ensuit. Merci à tous ceux qui auront regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite à tous une agréable journée, une bonne soirée. Ciao!